Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur PS4 Pro sur Nioh 2. Donc, je vais enlever une oreillette, donc je vous préviens, je suis un gros noob, j'ai absolument pas joué au premier. Alors c'est une démo disponible seulement quand on est abonné PS Plus et disponible seulement ce week-end, donc le week-end du 29 et 1er mars. Normalement, si j'ai bien compris, et le jeu sort le, il me semble, le 13 mars. Alors je suis un gros noob, j'y connais rien, mais premier point très positif, le système de création de personnages, je l'ai trouvé vraiment bien. Alors vous allez me dire, les systèmes de création de personnages complets et tout, il y en a dans beaucoup de jeux maintenant. Sauf que là, les visages et tout, ils sont super beaux. Je sais pas, j'adore les traits des visages, j'adore les détails que j'ai pu modifier, enfin ce que ça a rendu et tout, franchement, j'ai trouvé ça cool. Donc je vous ai passé la création de personnages et j'ai débuté la capture tout de suite. Ah non, non, on va pas. Ça, je le garderai pour moi, mais franchement, regardez le visage et tout. On peut toucher la musculature, on peut... Enfin, franchement, le mode de création de personnage est vraiment bien. Après, comme on est sur PS4 Pro, il y a plusieurs modes. Il y a un mode pour jouer à 60 images secondes, il y a un mode pour stabiliser une résolution supérieure. Ce que moi j'ai mis là parce que de toute façon je peux pas capturer au-dessus de 30 images pour la vidéo là, donc ouais, je me suis dit autant vous montrer le jeu le plus beau possible parce que de toute façon je pourrais pas ouais ok. Ok, avec une chaîne et tout, ça peut être pas mal. Oh, des haches. Le double katana. On a d'autres là. En plus, ça, vous voyez, ça ajoute des... Ça ajoute des compétences visiblement. Ah donc on peut changer d'arme de mêlée comme ça. Ok. Ok, donc c'est bien. C'est que visiblement on peut en choisir deux. Et vaut mieux pour l'instant, à mon avis, avec une endurance assez faible. Prendre une arme moins lourde. Ça évitera les mauvaises surprises. Donc, comme je le disais, je suis un gros noob. Un gros noob de Nioh. Bon, allez, on y va. On va pas faire une vidéo très longue, mais on va essayer de pas perdre trop de temps. Ok, donc bon. Je suis déjà perdu dès le début. Et on se retrouve enfin. J'essaie de faire la vidéo la plus. J'essaie de faire la vidéo la plus dynamique possible, que vous ayez pas tous les tutos, les machins. On est vraiment là pour. Découvrir à quoi ça ressemble. Alors il y a plusieurs postures. Posture haute, posture moyenne, posture basse. Ça change vos attaques. Je pense que ça doit servir selon les ennemis. Après moi je vous dis, je suis un noob, hein. J'y connais rien sur Nioh. D'accord, donc on peut...
monter de niveau et tout, faudra utiliser ce genre de truc. Think you can defeat me? Just try it. Voilà, bon. Faut faire attention à votre endurance, faut pas trop jouer comme un bourrin. Think I'm easy prey? Think again. I know my way around a weapon. Faudrait que j'aille par là, mais. J'ai l'impression par rapport à la musique qu'il y a quelqu'un derrière moi. Ah oui, il y a un ennemi là-bas. Ah, il y en a partout en fait. On va faire attention. Oh putain. Je vais me faire poutrer par le premier truc du jeu. Et voilà, bon. Je me suis fait poutrer par le premier truc. Bon, quand je vous dis que je suis un noob. Vous voyez, c'est pas une blague. Bon, par rapport à Dark Souls, par contre, je préfère le... Je préfère le gameplay de ce jeu. C'est moins lourd. Ah non, tu vas commencer, toi. Merde, y'en a un autre là, bordel. Et je peux pas grimper là. Oh putain. On a partout de ces merdes en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je suis désolé, je suis un gros noob, vous le disiez. Bon, on monte à cette putain d'échelle. Oh! Bon après, de toute façon, je vous l'ai dit. Je suis un gros noob. Je connais rien. Agneau. Hein?
Le problème, c'est que là, depuis tout à l'heure, je contre. J'appuie sur le bouton de garde. Et je me prends quand même des coups dans la gueule. Là, pour le coup, j'ai pas compris. Bon. On va pas avancer beaucoup, hein. Mais il est revenu, lui. On va pas lui laisser de chance cette fois. Voilà. Cette fois, on va lui poutrer sa mère direct. On va essayer de faire quelque chose quand même dans cette vidéo. Et de pas être complètement nul tout le long. Voilà, je commence à... Je commence à capter un peu le truc. Normalement... Ok. Normalement ici... C'est une autre. Ah oui, par contre le menu pause, il met pas vraiment en pause. On va tout prendre. On va essayer la hache là. Ah merde, j'ai plus d'endurance. Ok, bon. Eh. Bon. Au moins. Au moins vous avez pu voir un petit peu de baston. C'est quoi ça? Il est marqué niveau 5, donc je pense que je vais crever en 3 secondes, mais bon.
pense hein, que je vais crever en 2 secondes et demie, mais... Et non. Bon. Visiblement, ça peut être plutôt utile de faire ça. Là, on retourne au temple. Bon, c'est par là qu'il faut que j'aille, mais... On peut pas faire péter la barrière, donc il doit y avoir un autre moyen d'y aller. Bon, puis après, on va s'arrêter là, hein. Dégâts. Merde. Oh, j'allais faire une double esquive, j'ai pas eu le temps. Bon bah écoutez, sur cette mort, on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était Nioh 2. Démo limitée, donc j'étais pas le mieux placé pour vous en parler, puisque je suis un gros noob de la série. Mais c'est pas grave, ça m'a permis quand même pour ceux qui auraient pas, qui auraient raté l'info, ou pour ceux qui auraient pas pu y jouer, qui auraient pas eu le temps ou quoi, de pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble, même si j'ai pas pu montrer grand chose. Voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.